super génial. Tout est cool quand tu joues dans la même équipe. Tout est super génial. Et coucou les loulous. Coucou. Et comment ça va, Océane? Ça va. Et petit copain? On espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, que vas-tu nous présenter, Océane? Je vais faire du beurre au cake. Du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète? Mais tu sais faire ça, toi? Oui. Oh, mais moi, je sais pas faire ça. Alors, tu vas nous montrer, ma. Tu vas montrer aux petits copains et puis à maman aussi comment on fait du beurre de cacahuète. Ah, oui. Et puis, papa aussi, c'est pas faire le beurre de cacahuète. Bah oui, si on met du beurre, de cacahuète. Bah ouais, papa, dit n'importe quoi. On met du beurre et des cacahuètes et ça fait du beurre de cacahuète. Eh ben non, c'est pas ça, les amis. Alors, Océane, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire cette super recette de beurre de cacahuète? On met des cacahuètes dedans. Alors, pour ouvrir, c'est facile, c'est là. Il faut bien appuyer. Hop. Donc, on a besoin d'un robot, en fait, c'est ça? Comme ça. Là, on appuie sur le petit bouton. Et mais pour refermer, c'est facile. On retire comme ça. Hop. Bravo! Ouais, petit pouce vers le haut pour Océane. Alors, qu'est-ce qu'il nous faudra pour faire ce beurre de cacahuète? Donc, j'ai compris qu'il fallait un robot ou un blender. Alors, c'est pour mixer les cacahuètes. Ouais. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'il nous faut comme ingrédient? Des cacahuètes, on les met. D'accord, on met les cacahuètes. Après, on met de l'huile de tournesol. Ok. On met quelques gouttes de vanille. D'accord. On met du miel. Mmh. Et après... Et après on met, on tourne et on, et on, et ça, et voilà. Et voilà, et c'est tout? Oui, et aussi il faut ça pour racler un petit peu au bord pour mettre... Ah, comment ça s'appelle ça? Une spatule? Pour racler. Une spatule pour racler, oui ma chérie. Comme ça, on racle sur les bords comme ça ou là. Un petit peu sur le couvercle. Ok, ok. Alors par contre, les petits copains, la liste des ingrédients sera dans la description. En bas sur la petite flèche. En bas, voilà, faites dérouler et vous avez la liste des ingrédients. Donc ben voilà, tu peux commencer la recette ma chérie qui a l'air super simple en fait. Aussi, on peut mettre par là. Hein. Ouais, oui, oui, aussi, oui. Ah, vous n'êtes pas obligé d'avoir le même robot, hein? Ben oui. Alors là, qu'est-ce que tu es en train de mettre dedans, en fait? Les cacahuètes. Les cacahuètes. Ensuite, non. Je mets l'huile de tournesol. Ouais. Super. Je mets quelques gouttes de vanille liquide. Une. Vas-y, ben mets. Le pot avec? Non, mettez pas le pot, les petits amis, dedans, ce sera pas bon. Voilà. Et on met quelques gouttes de miel un petit Alors peu. Vas-y, bah vas-y, vite, et je te dirai stop, d'accord ma chérie? Allez, vas-y. Alors c'est quoi ça, du miel? Oui, du miel de guêpe. Du miel de guêpe? Non, du miel d'abeille. Ah, c'est mieux, du miel de guêpe. Encore? Ouais, encore un peu. Encore un petit peu. D'accord. Encore un tout petit peu. C'est bon. Voilà ma chérie. Maintenant j'ai refermé. Ouf. J'ai refermé. Et maintenant qu'est-ce qu'on fait? Je crois que tu peux approcher le robot de toi si c'est plus facile. Hein. Voilà. Après je tourne sur combien? Ah bah voilà. Ah, oh, tu veux que je t'aide à le fermer peut-être? Non, c'est pas écrit. Attends. Ouais. Attends. Et voilà, je t'ai aidé. Alors, on fait où? À 1 ou à 2? Ouais, bah commence par 1 peut-être. Puis après, on augmentera. Attention. Thank you.
Tu veux toucher? Oui. Oui, tu peux. Waouh, t'as vu? Ouais. C'est bizarre. Alors voilà les petits amis, à quoi ça ressemble. Alors ça ne ressemble pas encore à du beurre de cacahuète. Il va falloir encore mixer un peu pour que ça prenne une bonne texture. Donc ce qu'il faut que tu fasses ma chérie, avec... j'ai pas le trou là. Hop. Voilà, avec la spatule, il va falloir que tu racles un peu les bords pour ramener vers le milieu. Tu vois, hop, voilà. Tu ramènes vers le milieu. Vas-y, vas-y. Regarde. Hop. Parfait. C'est bon? Ça y est. Ça y est? Et maintenant, on va remettre à mixer. On va fermer le couvercle, là, c'est mieux. Faites pas ça couvercle ouvert, les amis. Sur les doigts. Ouais. J'en ai à combien? Oh, tu m'as deux. Ah, deux direct. Mais c'est plus fort deux. C'est pas grave. Donc, tu marches pas? J'en ai bien sur deux là. Tu sais où elle est là, la main, tu la vois. Hein. Alors, est-ce que c'est bon? Suspense. Alors, est-ce que c'est bon ou pas bon? Il faut mixer encore ou plus? Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Oh, fais-moi voir. Alors, si on a réussi, vous êtes toujours pas vu, moi. Waouh. Waouh. Oui, oui, ça a l'air peut-être parfait. Fais voir. Ah, mais non, tu vas pas tout voir comme ça. Waouh. Ça y est, les amis. Regardez cette texture. Elle est parfaite. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il faut le mettre dans le pot. Il faut le mettre dans le pot. Alors, ben, on va faire ça tout de suite. Ben, maman, elle va t'aider. Donc, vas-y. Mais alors, qu'est-ce que tu fais? Ça y est, t'as terminé de tout vider dans le pot? Ouais, ça y est, on a fini. Et là, t'es en train de laver la vaisselle, c'est ça? Alors, surtout, les petits amis, n'en abusez pas parce que c'est très, très gras. Donc, il faut en manger vraiment pas beaucoup. Pas beaucoup, beaucoup. Ah, mon chien, pas beaucoup. Ça va être dur de pas en manger beaucoup. Hein. on va ranger un peu la table et puis on va dire au revoir aux petits amis. Alors Océane, je vois que t'as déjà grignoté la tartine, que tu n'as pas attendu, dis donc, Chippy. Juste le temps, les amis, que je fasse une mise au point
Et Océane a déjà grignoté la tartine. Oh, est-ce qu'il est bon ce beurre de cacahuète, oui. Gourmande? Oui, il est bon. Alors, fais voir à quoi ça ressemble. Tu peux me montrer ta tartine, comme ça on montre au petit copain. Waouh. Là, je vais vous montrer celle-là. Tu vas montrer celle-là? Alors, attendez. Oui, celle-là, c'est la presse. Alors, voilà à quoi ça ressemble. Alors, ça a vraiment la texture. Et le beurre de cacahuète, il faut le montrer aussi. Donc, ouais, ça a vraiment la texture du beurre de cacahuète comme on peut trouver dans le commerce. En gros, c'est, est-ce que ça a le même goût que le beurre de cacahuète dans le commerce? Ben oui. Ouais. Il est bon? Oui. Oui? Vraiment bon? Ouais, mais... Est-ce que tu vas un pouce vers le haut ou vers le bas pour cette recette? Alors, est-ce que tu as aimé faire cette recette? Ouais, c'était dur à faire? Non, hein. C'était pas dur à faire du tout, les amis, mais c'est un peu long parce qu'il faut à peu près une demi-heure pour que ça fasse que la poudre devienne du beurre de cacahuète. C'est tout ce qu'il y a de long, en fait, il faut juste patienter. Et entre-temps, il faut aussi patienter parce qu'on a oublié les toasts, donc on a dû aller en acheter où? Au magasin, hein, Océane. Parce que maman, ils avaient oublié. T'es un clou, c'est allé un clou. Alors les petits copains, dites-nous si cette recette vous a plu. Dites-nous-le dans les commentaires. Dites-nous si vous avez d'autres recettes pour nous ou si vous avez déjà essayé de faire du beurre de cacahuète. Voilà. Et puis, si c'est pas déjà fait, qu'est-ce qu'on fait? C'est pas déjà fait. Abonnez-vous. Oui. Abonnez-vous et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche à côté de abonner pour recevoir la vidéo. Là en bas sur le petit i. Ah non, petit non i. C'est pas le petit i, c'est la petite cloche à côté d'abonner. C'est là, pas pareil. À côté du tout. Là. Ok, là. Là. Là où il y a le tout petit pain. Et surtout, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Oh, parce que c'est très très bon. C'est très très bon. Ok. Bon, les petits copains, on va vous laisser. Nous, on va goûter. Corentin va nous rejoindre, je pense, pour goûter le beurre de cacahuète. Ouais, parce qu'il attend. La prochaine vidéo, on vous dit ciao, ciao. Bisous, les amis.